jamais qu'il ne s'assoit à côté de moi dans l'autobus. Ça commence par F. Félix Tremblay. Comment t'as fait? Ton papa s'en vient par ici. C'est foutu. Je me demande ce qu'il trouve à la grande asperge. Je suis certaine qu'elle n'intéresse même pas. Pour une nouvelle qui est arrivée depuis 2 jours, je la trouve vite en affaires. Il regarde même pas dans les yeux, il fixe ses pieds. Viens-t'en. Hey, c'est moi que j'ai trouvé! C'est une lettre anonyme! Une vraie! Le directeur est un Soulon. Il a de la vodka dans son bureau. Et il en boit tous les jours. Tous les jours? Ça doit être pour ça qu'il porte souvent ses lunettes noires. Signé le corbeau. Hey, je me demande c'est qui le bolé qui a écrit ça, hein? Je vais aller la montrer au directeur. Pourquoi? Pour voir l'heure qu'il va faire quand il va la lire. Amie Saint-Arnaud, t'es folle! Non! Puis lâche-moi, Stéphane! Puis lâche-moi, bon! Hé, hé, hé! Qu'est-ce qui se passe ici? On a trouvé ça, Madame Ouellette. Bon, j'apprécierais beaucoup que vous gardiez ça pour vous, d'accord? Oui, Madame Ouellette. Lèche-cul! Un cahier en spirale. Crayon à mine HB. Un calepin. Avec calme, s'il vous plaît. Le calme. J'ai pas envie de finir ma vie en saucisse fumée. Même si j'adore la choucroute. Attention à tous les élèves. Vous êtes priés de retourner à vos classes. Ceci est une fausse alerte. Retournez à vos classes. J'aime pas qu'on devienne amis avec mon ennemi. Premièrement, je suis pas devenue amie avec elle. Puis deuxièmement, je pensais que ça t'intéresserait d'en savoir plus long sur elle et Félix. C'est certainement pas avec un arbitre que je vais réussir à attirer ses confidences. T'as raison. Continue de faire semblant d'être ton amie. Pose-lui plein de questions, viens tout me raconter après. Rentrez, viens. Vas-y. Oh mais oui, dépêche-toi. Attends. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des punaises réticulées. Des quoi? Mais tu vois les petites taches argent ici sur les feuilles. Mm-hmm. Normalement, là, je devrais trouver une punaise réticulée en dessous. Pas de chance. Il n'y en a pas en dessous de celle-là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour ma collection d'insectes. J'ai 128 spécimens à date. Je veux devenir entomologiste plus tard. Alors, je me prépare. Mon amie t'appelle. Ben, salut. Une chance que je t'ai appelée, sinon j'ai l'impression que tu serais jamais revenue. Alors, elle aime ou quoi? Aucune idée. Tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est qu'elle s'intéresse aux insectes puis qu'elle veut devenir entomo quelque chose. Entomo quoi? Je trouvais aussi qu'elle avait l'air bizarre.
pas plus que toi puis moi cet été quand on s'intéressait aux papillons. À bien me penser, je te trouve pas mal bizarre, toi aussi, Catherine Marcoux. Qui se ressemble, ça semble. Mais dans ce cas-là, va falloir trouver quelqu'un de vraiment bête pour être amie avec toi, Stéphanie Poulain. Tu nous as encore fait ta soupe vide frigo. Pourquoi tu l'aimes pas, ma soupe? Mais oui, je l'aime. Mais je vois pas pourquoi t'appelles ça de la soupe des légumes bouillis que tu sers avec l'eau chaude du chaudron. Mais l'eau de cuisson, c'est plein de vitamines. Il y en a qui jettent ça dans l'évier. Bien été ta journée? À part qu'on a trouvé une lettre anonyme dans la cour, que je me suis chicanée avec Steph et qu'on a eu une fausse alerte d'incendie. Une alerte d'incendie? Ouais, mais je me suis faite une nouvelle amie. Tu veux dire que le cuisinier aurait raté une autre de ses tartes? Oui, sa tarte au raisin puis à la colle-forte. Oh, c'est bien ce que je pensais. Ça vient de la cuisine. Depuis que la nouvelle tient avec ton amie, on dirait qu'elle veut plus rien savoir de toi. Tu dois trouver ça fâchant, non? Toi, le bulletin de nouvelles de l'école, mêle-toi donc tes affaires. Allez, allez. On se reste près d'ici? Ouais. Sur quelle rue? Les écarts. Ah! La même rue que le directeur! Il reste sur ma rue? Je savais pas, tu sais. Je viens juste de déménager, hein. Je connais personne. Même pas Félix! Je l'ai rencontré à ma première journée d'école. Madame Ouellet, un chum qui a 10 ans de moins qu'elle. Qui vit avec. Signé. Le corbeau. Poussez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous vu la personne qui a collé ça sur le banc? Savez-vous qui est la personne responsable de ça? Non? Très bien. Je l'ai vu, son chum, moi. Il a l'air jeune, OK? Mais pas tant que ça. Il a des cheveux gris. Ben pourquoi le corbeau a remarqué ça d'abord, c'est pas vrai, hein? Pour semer le trouble, innocente. Bientôt, tout le monde se méfiera de tout le monde. Amélie Sainte-Garnotte a dénoncé François Tellier et Alexis Dugas l'année passée quand elle fumait dans les toilettes. Signé Le Corbeau. Ah! Comme ça, c'est toi qui as dénoncé François et Alexis quand ils fumaient dans les toilettes l'année dernière, hein? Ben, bon à savoir. Je vais le dire à mon père. Ou à un prof. Bob Panier! C'est même pas vrai, cette affaire-là! Ça fait longtemps qu'on se doutait que c'est Amélie. Hey, c'est facile d'accuser les gens avec des lettres anonymes. On peut dire n'importe quoi sans jamais avoir à le prouver. Ouais, mais pour Amélie, c'était quand même assez évident, tu trouves pas? Vous avez pas de preuve ni d'aveu. Dans notre société, là, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. T'es sûre que c'est pas avocate que tu voudrais devenir? Restez ici!
Catherine, tu as bien fait ça. Félix appelle le directeur et le concierge. Amélie, ôte-toi de là, s'il te plaît, et arrête de pleurer, je t'en supplie. Aide-moi, on va mettre des vieux journaux par terre. Hey, je vais dire à mon père qu'on a un cours de natation en classe puis qu'on nage entre les pupitres. Mais qu'est-ce que t'as? Là. Catherine est une menteuse. Elle n'a jamais été en Floride de sa vie ni à Disney World. Signé le corbeau. Ben c'est ridicule ça, j'ai plein de preuves! Mon stylo Donald le canard puis mon chandail Magic Kingdom que j'ai mis très souvent puis que tout le monde a vu. Ben les dépliants, ça ment pas. N'importe qui aurait pu te les donner. Ben non, je suis vraiment allée. On s'était dit là que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle m'envoie une carte postale de Cut Center. Et les thèmes, ça ment pas. Tu dirais n'importe quoi pour aider ton ami. Puis toi, t'es jalouse parce que personne n'a envie d'être ton ami. Alexis! C'est toi qui as fait ça? C'est pas de sa faute, monsieur Lemelin. Il est en furie. Il a reçu une lettre du corbeau. Encore? C'est une vraie épidémie. Il va falloir trouver le corbeau avant qu'il fasse une autre victime. Je vais être obligé de faire appel à un détective. Je vous demanderai d'être très vigilant et de me rapporter la moindre anomalie. Marcoux? Présente. Melançon? Absent. Nicolopoulos? Absent. Poulain? Présente. Rouleau? Absent. Savard? Absent. Simard? Absent. Tassé? Tremblay?